Je la manie vraiment très très bien. Je la ponce l'arme, c'est. Je la ponce de ouf. Je préférais la XM4 avant, mais je pense que ma nouvelle arme c'est le M2. Hein. Il est mort. J'aime trop exposer les mecs, j'arrive pas à m'empêcher. Yo les gars, Funkill, j'espère que tout le monde va bien, moi ça super. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo à la MP40. Ça a été beaucoup demandé en commentaire. Donc aujourd'hui, on est là avec la nouvelle classe MP40 qu'absolument tout le monde joue. Bien évidemment, la classe, je vous la montre juste après. Et aujourd'hui, au programme, on a deux gameplays. Les deux sont en solo, les deux à la MP40. Des boucheries comme d'habitude. En ce moment, pour ceux qui regardent les streams, hein, en live chaque après-midi sur Warzone, vous savez, je fais beaucoup de solo. Parce que clairement, j'en ai marre des mecs qui se collent la main toute la partie. Dites-moi en commentaire si vous préférez les gameplay en solo ou en quatuor ou en trio. Et avant de passer au gameplay les gars, est-ce qu'on se fixerait pas un objectif de 2000 likes? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, donc je compte sur vous. Et bien évidemment, pour ceux qui veulent participer au référencement, un petit commentaire c'est toujours le bienvenu. Bref, sans plus attendre, on passe aux deux gameplay. Comment ça le mec meurt pas alors que je mets le truc à ses pieds là? Ah, en fait c'est chouette les diamatines, super, nickel. J'ai rarement vu autant de balles tirées pour si peu. Je prends pas ma classe du coup, je prends la classe tryhard. J'ai pas changé ma classe d'MP40. J'ai pas dû tuer en l'air. Ouais, il reste plus 25 joueurs, c'est mort. Là, je le tue pas. Allez. Allez, je m'abstiens. 24 joueurs, c'est baisé. Le truc c'est si le lobby il est super nul, je peux pas le faire. Là ils sont pas suffisamment intelligents pour réussir à respawn. Y'a un mec AFK en plus. Mon record en solo c'est 41. Non, y'a personne. Bah en vrai j'ai 18 kills pour une zone 2, c'est correct quand même hein, mais bon. Fait chier de niquer un lobby comme ça hein. Après franchement là je suis pas mort une fois, j'ai fait le maximum que je pouvais mais la chance aussi hein. Là je pense que je vais faire 30. Encore un enculé qui a refait un compte. Ça devient une manie, hein. C'est la mode. C'est la mode de refaire des comptes en boucle. Je me dépêche en rien. Encore un peu de délai de respawn. Oh, il a jump en bas. Non. Allez, mon pote là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Reviens là. Bien Mati. Dites-vous, le mec qui habite à Hawaï, il a des lobbies comme ça toute la journée. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Il y a 14 mecs. Ouais, mais en fait, c'est la zone 1 qui a posé problème. La zone 1, ils sont tous wipe. Surveillez le ciel.
Heureusement, je le suis avec éclaireur. Et même sur un lobby de bot comme ça, j'ai pas battu mon corps du coup. Comme quoi. Oh, je l'ai mauvaise là. Je suis deg. Il m'a volé mon kill. Je suis encore plus deg. Comment ça sac à des vénères là. Bon, on va pas y passer la nuit, mon ref. Faut que tu ailles. Allez. Allez, mon ref, s'il te plaît, là. On va pas y passer la nuit. Allez, allez. Là, tu rends fou. C'est pas mal, c'est vraiment bien, 38. C'est bien, mais là, j'avais le lobby de l'année. Là, j'avais le lobby de l'année, frère. Des lobbies comme ça arrive une fois dans une vie. Oh, arrête avec ton bateau, mon pote, là, c'est quoi ce bordel? Un arbal. Donne ça au grand. Toi, tu joues pas, toi, j'ai dit. Héros de la Lune. La vie de mer, il a dit Héros de la Lune. C'est en arabe, il a dit laisse-moi. Non, non, il suit pas de l'arabe, il a dit Hero de la Luna, frère. J'ai un problème d'audition, je crois. Je comprends jamais rien au Descom, frère. Le mec pourrait m'insulter, Madaron, je pourrais comprendre GG, good fight. C'est pour ça que j'entends pas les mecs sur le jeu, je dois être sourd. Hero de la Luna, j'ai dit, mais je suis un baiser. Oh, oh, l'explosion. Macron destruction. Oh, mais comment tu savais? Je colle le 33 kills maintenant. Ah ouais? Avec la EM2, c'est trop scammé. Hein. Ah! Allez, Hero de la Luna! Je suis pas fou là, il l'a bien dit. EM2 sur cheaté, franchement, je la manie vraiment très très bien. Je la ponce l'arme, c'est. Je la ponce de ouf. Je préférais la XM4 avant, mais je pense que ma nouvelle arme c'est le M2. Hein. C'est mon arme. C'est comme la Musique 82, c'était mon arme, bah là c'est. Elle est morte. Une minute de respawn. En vrai, faut que je me force à faire les teamwipes, mais vas-y, j'ai trop la flemme en solo. Je l'ai fait que une fois, j'ai fait 41 kills tout à l'heure. J'aime trop exposer les mecs. J'arrive pas à m'empêcher. C'est quoi cette merde? Ah, c'est le. Vas-y, décale, je t'encule. La chatte. On va attendre la zone pépère, hein. Je pense qu'il y a moyen que je tape la zone, par chance. Oh, oh, enculé. Oh là là. J'ai cru que j'allais me faire exploser. J'avais passé pour le drone. C'est 6000, j'avais 4000 de 5008. Oh putain, frère. Oh là là, on se gave ici, hein. On se gave, hein. On se gave. Du coup, les gars, pour la classe MP40, en bouche, on est sur le tout dernier booster de recul ici. En canon, pareil, le tout dernier, on va vraiment mettre le quatrième canon. C'est vraiment le truc qui va changer la donne sur la MP40. En lunettes, perso, j'ai le déflecteur ardoise. La plupart des joueurs manettes mettent le cross-nick ici ou celui-là. En cross, on est sur la pliable, on n'est plus sur la cross retirée, on est sur celle-là. Ensuite, en accessoire canon, moi, j'ai le garde-main ici. En chargeur, on garde le second ici pour avoir une bonne cadence. En munitions, pareil, là, ça change la donne, on met point de creuse, bon, même si ça a été pas de jeu. Depuis. De toute façon, tout a été patch incendiaire, allongé, mais point de creuse reste le meilleur truc, je pense. Poignée arrière, donc là, j'ai mis poignée en tissu, ici même. En atout, j'ai mis renfort, là, et en atout 2, j'ai mis rapide.
Pourquoi j'ai mis poignée en tissu? Parce que d'habitude j'utilise survolté, mais sur ma classe actuelle j'ai éclaireur de combat. Donc logiquement, quand tu mets éclaireur de combat, il faut changer et il faut se mettre la poignée ruban adhésif pour changer d'arme plus facilement. Choisissez en fonction de votre atout 3. Personnellement, je conseille plus de mettre survolté que éclaireur de combat. Je pense que c'est un petit peu meilleur. Dites-moi ce que vous pensez de la classe. La MP40 est revenue dans la méta uniquement en changeant ce canon, parce que c'est vraiment ce truc là qui change la donne. Donc testez, vous allez pas être déçus. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé les gars. Si c'est le cas, pensez au maxi like à mettre sur la vidéo, absolument. Pour les plus fidèles, vous le savez déjà, je vous invite à commenter MP40 en majuscule, comme ça je vois les vrais fidèles comme toi qui a la vidéo jusqu'au bout. Et les plus fidèles le savent déjà, je suis en live sur Twitch chaque après-midi. Il y a des vidéos sur Facebook, il y en a même sur Snap, tous les réseaux sont en description. Je vous invite à aller checker tout ça. Il y a la chaîne secondaire aussi sur YouTube où il y a une vidéo par jour. Donc bref, pour ceux qui veulent du contenu, il y en a partout, il y en a même sur Instagram. Bref, nous les gars, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. C'était Punkill, ciao tout le monde. Moi c'est Punkill, j'ai capté ton viseur, tu veux bluff qui? On s'est quitté, tu devrais quitter. Si t'es équipé, tu m'auras presque. J'ai spammé ton écran, j'ai cramé tous tes plans, t'as streamé tout le clan Apex. Oui je flex, j'ai mon équipe, rien que ça taffe, je monétise. Pour mon écurie en like, t'es mal à tuerie en live.